Et ça fait matin, nous avons invité au capable pour contrôle l'espace, pour contrôle Sidioa, pour contrôle l'église, la côté de réunir à distance chaque chrétien qui branche chez Dieu, qui sentit affligé, qui sentit abandonné, qui besoin de dire une grande parole pour réconforter, qui besoin de passer un moment spécial avec au matin, pour permettre à ce que cet esprit à l'œuvre dans le temps nous, qui est capable de diriger nous, qui est capable d'orienter nous, Seigneur Dieu. Merci pour le ministère, ça. Merci pour ce que vous avez déjà fait à travers lui-même. Merci pour ça. Pour pouvoir continuer à faire. Matin, pour contrôler toute entité, tout ce que vous faites matin. Pour bénir le peuple, pas permettre que c'est l'homme qui va parler. Pas permettre que c'est la capacité nous-mêmes qui est poussée par l'esprit. Tout ça, nous va faire matin. Merci parce que vous avez déjà pris contrôle. Merci parce que vous avez déjà avec nous. Nous exaltez, nous glorifiez, nous. Parce que c'est bon Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et maintenant, nous pouvons continuer à adorer ensemble avec vous, mais nous connaissons des rubriques spéciales, nous toujours offrir. C'est pour raison ça, nous avons une rubrique spéciale qui est un résumé des études de la semaine, les études lundi et jeudi. Et maintenant, nous avons le privilège, frère Awa, les jeunes, c'est de mettre l'opportunité pour offrir nos rubriques, ça, nous demandons capable de disposer, pour capable écouter dans quelques minutes les résumés des études qui sont faites durant la semaine. Frère Awa. Bonjour. Bonjour Frère Agnès, bonjour Frère Alex, et bonjour à tout le monde qui trouve dans l'église de la terre, et bonjour à tout le monde qui est dans le matin. De façon spéciale, on salue Agnès Bolivar, c'est ménage, je ne vais pas saluer, je vais écouter, si je vais saluer, je vais faire chaleur quand même. Alors, nous la matin pour un rubrique spécial qui c'est un résumé des études. Déconcentré qui fait chaque lundi et on résume des études bibliques qui fait chaque jeudi, nous ça relève paix matinale. Alors, et pour l'étude qui est fait lundi, qui c'est étude déconcentrée, nous gagnons comme sujet et qui s'est sorti dans une vie religieuse pour entrer dans une vie chrétienne. Et nous gagnons comme contexte là, qui c'est Matthieu 19, le verset 21. Il dit, si vous voulez bon être sans manquer en rien, allez vendre tout ça ou gagner, séparer l'argent par les pauvres. Laissez ça, ou à gagner une richesse dans le ciel là, après ça, venez sur moi. Et à partir de si j'ai acquis ceci dans la vie religieuse, dans la vie chrétienne, en pile fois et il y a un peu de monde et qui vient à l'église et qui est très fidèle, qui est à l'aise dans tout service, mais des fois il va venir, il va toujours pour dire il c'est chrétien, mais pourtant dans le cas il va venir pour faire pour dire plaisir tout le monde, parce qu'il y a un chrétien et où doit vivre pour faire bon Dieu plaisir, mais c'est pour faire mon faire. Alors Matthieu 19 là, c'est conversation Jésus avec un homme riche et vie religieuse. Quel exemple que cap et identifier un monde qui cap mène une vie religieuse, c'est dans pour que ça ait été mon nom dans l'église dans Zèv la fait. Mais il y a un monde qui a mené une vie chrétienne, c'est un monde qui a vécu pour faire bon Dieu plaisir. Il y a un monde qui a vécu et dans la volonté bon Dieu. Et dans les gens qui étaient fins, dit jeune homme riche, la plupart avant tout ça le gagné. Et ça va tenir jeune homme riche bien du tout, parce qu'il était très religieux, mais liberté chrétienne. Au contraire, parce qu'il a tenu espoir totalement dans le bon Dieu vraiment, il a gagné un peu d'espoir dans la richesse qu'il possédait. Eh bien, le même espoir dans la richesse qu'il possédait, ça va nous rendre orgueilleux et arrogant à la fois. Alors, il y a un peu de bagailles et nous allons apprendre dans la leçon toujours. Et nous avons pensé au brancher et lundi. À 5h, pour qu'on ait plus connaissance des études qui sont faites avec Pasteur Elie Philistin. Alors, dans l'étude
biblique que j'ai avec pasteur Isaac et nous avons comme sujet qui c'est la sanctification. Et sanctification et qui c'est un mode de vie pour tout chrétien. Parce que nous avons appris avec pasteur nous et les gens acceptent Jésus, c'est une étape. C'est une étape, mais ça va vous dire que vous êtes bon net. Vous acceptez Jésus, c'est une étape, mais vous avez besoin de vivre dans une vie de sanctification. Et sanctification, qui veut dire mettez à part, séparer pour que c'est vous devez toujours être dans la sanctification parce que c'est un sanctification progressive. Ce n'est pas sanctifié en l'air ou bien en moment, mais vous devez toujours être dans la sanctification. Ces sanctifications sont tout au long de vivre. Alors, l'étude là était basée directement dans Romains 6 là. Dans Romains 6 là, c'est là et l'étude là était chita. Alors, il y a trois bagages que le pasteur a été axé sur lui. C'est sa mort de Jésus et sa résurrection. Nous faisons union avec Christ là par sa mort et sa résurrection. Et il a persisté que nous ne pouvons pas ignorer ça et nous ne pouvons pas oublier ça. C'est une responsabilité qu'il y a. Nous devons ça en charge. Et que nous mourions avec péché nous et nous ressusciter avec Christ là. Et après, et l'idée d'accent ville, après ou fin justifié, ou devez entrer directement dans la sanctification. Parce que après ou fin d'accès Jésus ou justifié, mais ou devez mener une vie de sanctification. Et l'été est bien quelques exemples dans Romains 6, verset 13, et où de bail vivre à bon Dieu. Mon avis, c'est une signification de bail vivre à bon Dieu, le tout pour même à bon Dieu, va venir devenir une possession pour bon Dieu. C'est ça qui est sanctification même, et c'est responsabilité, et que chaque chrétien gagne, c'est mener en vie de sanctification. Et chrétien qui a vu la sanctification, il peut pécher, il ne va pas faire ça, il va faire ça avec plaisir, mais la vie va faire bon Dieu, plaisir. Et dans Ephésiens 4, verset 22, et pour cet homme, nous comment, et l'homme dans lui-même, nous disposer même pour faire ça qui n'est pas bon. Mais c'est lorsque nous livrons et volonté nous, dans bon Dieu, nous devons faire. Faire saluer avec nous, nous avons vu Jean Rodier. Alors, il y a un chrétien qui est capable de progresser dans l'évangile, c'est avec sanctification. Parce qu'après, on finit, ou finit, Jésus, ou c'est une étape qui est passée, mais on a besoin de mener une vie de sanctification. Alors, c'est là que l'étude de la défaite et l'étoile de folle, c'est dans sanctification. Alors, nous conseillons de brancher chaque jeudi, chaque lundi, pour capable sur l'éditeur, vous avez plus connaissance de la parole de Dieu et c'est avec la parole de Dieu que vous avez grandi. Vous avez bien nous. Merci, frère Harold Jilmi. Génération. Avant que les montagnes soient nées et que Dieu ait créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les apportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans.
et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, puisque Jacob ait pitié de tes serviteurs. Assasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ni la peste qui mange dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Annonçait le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ensemble, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Baba, portez une adoration spéciale. Bah, adoration, ça, c'est fruit travail, nous. C'est fruit travail, nous. C'est comme combat, nous. Eh bien, nous portons là-dedans pour que nous capables de bénir le travail. Mais nous t'en souple, accepter pour nous. Et souple, et nous accepter, bénir pour nous et multiplier pour nous. Nous connaissons le principe là comme moi, ou pas quitter nous, pas plus passer. Et que moi, tourner bénédiction pour nous. Même si vous ne tournez en rien pour nous, mais nous décidons pour nous capables, pour nous bénir la carrière, pour nous bénir le travail. Seigneur, nous ne pas tellement porter. Comme juste parce que pour capable vous retourner bon l'argent non ça a fait mais nous pas fait le temps pour son bol et son piqué collé parce que nous pouvons ça nous gagner parce que nous reconnaissons que tout le bagage c'est pour vous et que Seigneur nous voulons bénir travail nous voulons travailler aller vers l'avance nous sommes capables de bénir nous bénir chaque main qui mettait bénir chaque monde qui pensait à bail qui pourrait porter un bagage nous sommes capables de faire ça mon qui
obéissant, sincère, ou capable de bénir au Seigneur en abondance. Et vous avez plus, vous bénir plus, vous avez plus pour l'autre monde, plus pour capable faire les œuvres, plus pour capable bénir le travail. Faites ça pour nous, Seigneur, en bas au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Section française. Vous êtes capable d'adorer maintenant qui prêtez nous sous de vie, qui permet que nous l'avons toujours. Qui permet que nous existions toujours. Qui fait nous pas côté mort déjà. Qui fait nous pas déjà fini déjà. Qui fait nous pas dit des feux tonalise matin. Hein? Et pas dit des feux tel matin. Hein? Vous besoin d'adorer mon Dieu pour saluer, pour saluer, pour saluer dans la vie. Si vous l'avez toujours, c'est une grâce, c'est juste une faveur. Et puis vous ne pouvez pas mériter ça. Adorez mon Dieu avec tout son possède, l'esprit, l'homme, le corps. Tout doit être disponible pour adorer mon Dieu la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans le vieux partirage et nos bras se doux, je dirige ces chers amants. Pour les eaux paisibles, rafraîchissent partout, je dirige ces chers amants. Dans le verre pâturage, et l'ombrage lourd, te dirige ses chers enfants. Où les eaux paisibles rafraîchissent partout, te dirige ses chers enfants. Sois par un chemin, sombre. Oh,
tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne son, son grand amour entouré ses enfants. Les têtes toute fadoyo. Il n'y a point de
Dieu, il y a moins le Dieu en le Jésus. Amen. Il y a moins le Dieu en le Jésus. Alléluia. Il y a moins à Dieu comme Jésus. Il y a moins le Dieu. Il y a moins, alléluia, le Dieu comme Jésus. Alléluia. Il y a moins, le Dieu comme Jésus. En water, en water, en water, en water. Il y a moins, le Dieu comme Jésus. Il y a moins. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est un homme qui est pour le matin. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Veuillez nous pas chambron, pas gain Dieu sans vous Jésus. Si vous venez de Jésus, vous faites confiance, pas gain la honte. Pas gain l'autre pour elle, pas gain l'autre qui a comparé avec elle. Tout faux Dieu, c'est déterré devant Jésus. Oh yes, belle confiance. Fais Jésus confiance maintenant, allez. Vous êtes là, gué ou mali. Pas pour honte. Dieu comme Jésus. Alléluia. Il y a moins. Dieu comme Jésus. Alléluia. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Oh yes. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Oh yes. Oh yes. Merci Seigneur. Il y a moins de Dieu comme Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Nous gagnons pas de comparaison. Pas de l'autre qui a comparé avec nous. Pas de l'autre qui a comme devant. Devant puissance, c'est vite Batba. Devant puissance, toute statue tombe écrasée, plate à terre. Devant puissance, Seigneur. Lucifer tombe face bas. Devant puissance au Seigneur, pas qu'un Satan qui a campé. Devant puissance au Seigneur, pas qu'un méchant qui a campé. Parce qu'on est la fin toute. Au recommencement, on a fait une plate de main. Mais on serre les mains, on ferme les mains, on est capable de craser et éliminer. En une seconde, en moins qu'une seconde. Merci Seigneur. Nous comptons, c'est bon côté pas où nous y est. Parce que nous à côté de l'armée gagnante. Merci Seigneur. Allez l'autre temps pour vous. Et si vous avez des puissants comme ça, nous avons disparu en haut sur la terre. Et les hommes pareils, nous avons disparu. Et les méchants, nous avons disparu. Et ce n'est pas tout à l'heure encore. Mais pas gay, c'est parce que pas gay de vous. Et vous faites plein, vous crasez plein. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Merci. Le fait que pas gagné qui est dans le coin. Pas gagné qui est l'amour dans le coin. Pas gagné qui est miséricorde dans le coin. Pas gagné qui est charité dans le coin. Oh yes. Pas gagné qui comprend nous dans le coin. Comprend nous. On va au gloire, nous exalter nous. Merci Seigneur. Si vous partez vous-même, pays d'Haïti va pas exister encore.
nous-mêmes avec comment nous avons détruit. Allez voir pour les autres. Allez voir pour l'autre qui ne veut pas nous exister. Nous avons effacé nous sur la surface de ça. Mais parce que vous êtes bon Dieu, nous l'a toujours. Et non seulement nous l'avons préparé, nous avons restauré nous. Nous disons merci Seigneur. Jeudi dimanche ça, nous venons pour nous adorer. Dimanche ça, c'est jour Paulier. Il va jouer Constantin, il va jouer quel monde formé, il va jouer. Mais c'est jour de résurrection, jour de victoire, jour de lumière après les ténèbres. Nous venons adorer, nous venons faire une gloire que nous-mêmes seuls méritons. En pile chrétien, sur toute surface de la terre, on va adorer. Même si l'église n'est pas réunie, mais on va adorer. Mande au matin, restez comme roi dans la vie nous. Gouverner la vie nous. Pas que passe, pas que l'autre temps que vous. Pas que l'autre centime de remettre la vie moins que vous-même. Pas que l'autre, qui est-ce qui a géré la vie que vous-même? Oh Seigneur, qui est-ce qui comprend moins mieux que vous-même? Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous tellement comprenez moi. Le badagé, emploi badagé, chèque. Mais vous mangez quand même. Et le bagage caille vous permet de tomber au côté quand même. Et le groupe a détruit, au lieu de détruire, il bat sous bâtiment. Vous comprenez bien. Merci Seigneur. Pas de l'autre. Tant que vous-même. Nous adorons au matin. Nous exaltons au matin. Toute l'église va lever même pour nous adorer au matin. Chaque frère qui se lève même pour nous adorer au matin. Nous adorons, oui, Seigneur. Nous adorons. Merci pour la croix. Merci pour le travail fait à la croix. Pour me sauver, pour me libérer, pour me rendre victorieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour dimanche matin, ça. Continuez à bénir nous. En bas, au gloire, au nom de Jésus. Amen. Regardez chapitre 2 et n'a pas quelques versets de chapitre 2 parce que nous avons commencé déjà dans la ligne et n'a continué. Et dans verset 7 là, il dit, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et il dit, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Waouh! Alors elle tomba sur sa face et se prosterna. Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais près auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Que mon Dieu capable, béni passage ça pour nous édifier.
Seigneur, utilisez-nous, bénis-nous avec parole. Nous allons vous voir au nom de Jésus. Amen. Il y a un thème que nous sommes capables de considérer matin, c'est la loyauté récompensée. La loyauté récompensée. Et livre Whitlan, pour être capable de faire un petit panorama, livre Whitlan, il était écrit au temps des juges. Et si on t'a pas lire dans le début livre là, dans le chapitre 1er, verset 1er, ou après ça, au temps des juges. Donc, il était écrit au temps des juges. Et dans le moment ça, la majeure partie des Israélites, de la nation d'Israël, des gens de la nation d'Israël, t'as évadé, t'as quitté l'Éternel. Dieu t'a abandonné l'Éternel. Dieu t'a abandonné l'Éternel. Pendant que Ruth, yon païenne, yon gentil, et bien lui-même, il t'a approché vers l'Éternel. Ça veut dire les gens du dedans t'ont sorti. Et elle était du dehors. Et elle rentrait. Et dans le livre, ça a gagné. Il y a un mot clé qui a dans le livre, ça c'est parenté. Et Boaz, c'était un cousin Elimelech qui était mari Naomi. Ça veut dire que Boaz a gagné un droit de rachat. Droit de rachat, ça lié. C'est dans une famille, c'est même en Haïti, nous connaissons ça. Si vous avez une terre, dans une famille, il faut que ce soit une famille qui vous achète. Si vous avez une famille qui vous achète, ça veut dire que bien ça continue à rester dans la famille. Et bien, gagner ça en Israël, droit de rachat, il faut que ce soit une famille. Et bien, conseil de bagaille, tant qu'on a bien gagné une terre, et bien, c'est une famille qui doit acheter. Eh bien, c'est même Jato. Ou quand il y a un monde qui mourit, eh bien, son monde, pour conserver la famille, eh bien, c'est un membre de la famille qui a le droit de rachat. Avant, si vous mariez avec monde, c'est lui qui vous prend monde pour le marier avec elle. Elle a continué à cela. Eh bien, Boaz, c'était un monde qui a le droit de rachat. Et son famille est Elimelech. Parce que il doit acheter bien, il doit continuer à cela. Mais tout Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vrai rédempteur, vrai parenté nous, qui a le droit de rachat sur nous et qui nous a racheté. Ruth, la Moabite, eh bien, il symbolisait l'Église. Bien, fiancée de Jésus, racheté par sa grâce. T'es un roi en Israël qui demandait que propriétaire chanyo l'herbe moissonnée l'herbe récoltée que pas gain droit récolter coin jardin yo. Et en plus les moissonneurs a moissonné yo fa yo fin passer yon côté vin ramasser et ben pas gain droit tourner derrière pour aller des graines qui rete. Parce que graines qui rete yo avec coin et avec récolte qui dans coin jardin yo. Et ben yo te besoin rete en Israël son loyauté. Je devais se arrêter pour un groupe de monde, une série de monde. Pour qui monde devait se arrêter pour orphelin? Je devais se arrêter pour veuve. Pour gens de monde ça yo. Eh bien, et ça yo te besoin arrêter. Et donc pour handicapé, orphelin, personne âgée. Donc, alors, Ruth, c'était un homme qui était qualifié pour être capable d'aller dans n'importe quel jardin selon la loi israélite
aller pour ta capable à glader, à ramasser après mon yo. Parce que nous pas quoi que oui te gain papa ça que vous raison de papa le bon père te mouri. Oui te yon veuve Marie te mouri. Donc oui te qualifié pour t'aller pour t'en glader à le ramasser dans tout jardin qui t'a capable de gagner, qu'a récolté en Israël. Mais maintenant, nous voulons considérer avec vous qualification. Et ça, nous voulons considérer avec vous qualification qui fait huit t'es capable de glaner en Israël, comme nous disons. Huit t'es veuve. Ça veut dire que n'y a pas de mari pour t'aider. Il va te marier pour te supporter. Il va te marier de compter sur lui. Donc, faut à ton côté, vos provisions que tu as faites pour gens de monde comme ça. Et c'est ça qui fait que dans l'église, l'église veut penser à gens de monde comme ça. L'État a besoin de penser à gens de monde comme ça. Bien que l'État parle de l'État, c'est fait prier par nous maintenant. Nous. Mais oui, t'es veuve, et ça fait le besoin de secours. Oui, t'es orphelin, ça veut dire qu'il n'y a pas de papa. Il t'a va courir à côté. Donc, il a besoin d'un papa, un lieu de refuge. Et oui, c'était un étranger à idée. Et comme étrangère, dans le pays, on vit dans le pays, on va te planter. Mais il faut qu'on soit à côté pour être capable de vivre. Donc, Ruth est légalement qualifié pour glaner en Israël. Et là, nous ça, puisque Ruth c'est type l'église. Eh bien, nous-mêmes, nous, à la manière de Ruth, nous, c'est, surtout nous, les Haïtiens, sommes une veuve, veuve nouillée. Parce que nous ne pouvons pas à qui crier, à qui aller, nous ne pouvons pas écouter pour nous aller. Nous n'avons pas de monde pour capable de voyager sur nous, capable d'aider nous vraiment. C'est comme si nous l'avions pour contre nous, dans sa vente. Donc, et sans bon orphelin, sans père nouillé, sans direction. Nous avons des nations qui ont une direction. Nous avons des gens qui ont voyager sur nous, mais nous non. Et nous venons d'un coup, nous sommes étrangers qui ne peuvent pas être soignés. Qui va gagner rien ou dans le pays pas ou. Ou pas même qu'on rien pour défendre nous. C'est comme si on attend. C'est dans le pays étranger pour que tu ne vas sauter. Pour le cavin. Pour le secourir. Et là, il vient sous l'argent qu'on a abordé pour aborder. Donc, normalement, nous-mêmes, les Haïtiens, nous qualifier pour nous avoir glané dans le terrain Papa Monti. Parce que c'est terre ça qui pas refuser nous. C'est terre ça qui est disponible pour nous. C'est terre ça là yo quitte bon Dieu quitte qui choy pour nous. Dans terre papa bon Dieu. À la manière de Ruth. Nous sommes qualifiés. Ruth est qualifié légalement. Et bien nous-mêmes nous qualifier légalement. Divinement nous qualifier pour nous capable chercher la vie la caille papa bon Dieu. Et c'est ça que fait Matthieu, moi je voulais conseiller vous. En vérité, by face ouvert mon Dieu, c'est là seulement que je rejoins la vie. C'est là seulement, eh bien, l'amour va manifester envers vous. C'est là seulement, eh bien, compassion va manifester envers vous. Dans le jardin de Dieu, la caille, papa mon Dieu, la maison de Dieu, d'a conseiller vous. Pour avantage ça, parce que vous qualifiez, pour aller glaner, pour aller chercher la caille Papa mon Dieu. C'est là où je vais recours. Et d'autres qualifications que vous avez gagnées pour jouir de la bénédiction de Boaz. Dans verset 11 là, il dit. Boaz a parlé avec lui.
Et Boaz dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc ça nous est là. Ruth est plantée. Ruth est semée auparavant. Ruth est fait beaucoup de bien à Naomi. Et en plus, Ruth quitte pays pâle, quitte patrie, pour suivre Naomi sans intérêt. Parce que Naomi était vieille, il est grand monde, pas gagné Naomi à travail. Qui raison Ruth t'a gagné pour t'a quitter pays, pour t'a suivre un vieux grand monde comme ça, qui va gagner quelques sous ce corps. Naomi va quand même coucher avec un garçon pour t'a trouvé, pour t'a battu Ruth. Mais Ruth, t'es décidé pour capable suivre Naomi. Non seulement suivre Naomi, il est décidé pour le suivre, pour l'adopter, religion Naomi, bon Dieu Naomi. Et bien sûr, c'est un élément qui te quitte Ruth à persévérer. C'est parce que il te quitte le monde là, comme nous habite, et bien elle a déjà accepté le Dieu de Naomi, et bien elle a décidé pour ne pas faire bac. Et il a même dit Naomi ça, pays où va pays. Patrie ou va patrie, bon Dieu ou va bon Dieu. Mwen. En plus, Ruth réfugié li, en bas zèl, bon Dieu Israël. Mesdames, Messieurs, la loyauté sincère sera récompensée de toutes les façons. Loyauté. Moun ki loyal, moun ki reconnaissant de sa fait pour lui, moun sa avance plus. Et yon nan bagay, nous besoin comprendre que Ruth accepte pour faire des sacrifices pour belle-mère sans intérêt. Eh bien, nous besoin reconnaître que nous comme chrétiens, là nous faisons des sacrifices pour les autres. Eh bien, gagner d'autres commencent à venir, gagner de grands miracles à nous. Depuis nous faire sacrifice pour l'autre monde sans intérêt, ou pas besoin d'avoir intérêt. Mais naturellement, ça va venir dans la vie. Nous besoin garder bien ça n'a fait pour l'autre monde. Pour qui ça n'a fait? Est-ce que c'est pour gloire nous n'a fait? Est-ce que c'est pour nous glorifier? Ça va faire pour l'église, est-ce que c'est pour glorifier? Ça va faire, est-ce que c'est pour lever tête tout que va faire? Ou bien est-ce qu'on fait pour le bénéfice des autres? Eh bien, si vous faites pour bénéficier l'autre monde, eh bien, il y a un grand miracle qui va suivre dans la vie. Jésus est notre modèle. Et dans nos de Cana, Jésus agit pas pour le glorifier. Il agit pour retirer la honte pour mon guide à marier. Il agit pour bien. Pour faire sûr que vous joignez, qui chaille au besoin. Et nous capables de témoigner que tout ça que Ruth fait, eh bien, il fait pour le bien de Naomi. Il accompagne Naomi. Il prend soin de Naomi. Il même cherche, sous garde, mais après que le travail, écoutez le travail là, il va le manger. Eh bien, les manger mon son reste là, la potelle pour prendre soin d'Aomi. Mais on a une vertu, non agir bien avec moun, non faire bien avec moun, non aider l'autre moun. Et tout, ou bien doit faire tout, ou pas récolter rien, parce que si ça on fait, c'est juste pour satisfaire ego, ou c'est pour gloire pas, ou faire li, pour moun kawe ou a fait. Eh bien, ou capable à faire corvée. Ou capable faire corvée. Qui attitude moi gagne concernant aider l'autre monde, faire du bien à l'autre monde.
supporter l'autre monde. Qui attitude que vous même vous gagnez envers un bienfaiteur. Il y a un monde qui t'a fait du bien. Qui attitude vous gagnez envers Mounza. Est-ce que vous avez un flé d'orgueil? Au contraire, vous avez un monde qui n'a pas fait assez pour vous. Ou toujours qu'on est au lieu de vous reconnaissant ta loyal, mais qui sont offert ou qu'on cœur aigri ou envie de tuer Mounza. Est-ce que la Mounza allongé, il doit être bas ou c'est tout pour être là où vous le coupez? Est-ce que vous êtes satisfait parce que vous n'avez fait ça pour vous, vous pas effacé? Est-ce que la Mounza arrivé dans une situation côté que le pas faire? Est-ce que vous êtes loyal? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que ça vous fait pour imaginer assez? Oui, il y a des gens comme ça. Vous ne pouvez pas faire pour vous. Vous avez toute vie, c'est pour vous faire pour vous parce que vous ne pouvez pas faire pour vous. Allez voir pour vous faire pour vous. Qui est-ce que vous campez? Est-ce que c'est exploiter ou exploiter l'autre monde? Est-ce qu'on va exploiter le bienfaiteur là? Est-ce que c'est détruire ou abattre? Est-ce que c'est ou abattre ou est-ce qu'on va exploiter lui? Quel monde tout idée c'est ça? C'est garder ou est-ce côté qui a passé, qui ça moun gagne? Et puis ouais, qui j'ai eu à exploiter? Je connais qui je suis en prison qu'on y a. Il n'y a pas de monde qui devait combinaison. On a ses cerveaux combinaison pour détruire un blanc. Et puis, on a une machine. Il y a quelqu'un qui a pris la caille. On prend eux et il y a mis la caille. Là, il vient rentrer dans la tête. Il dit travaille comme travail la caille. Il dit la caille sans arrêter. Il dit l'a arrêté, moi, je ne vais pas arrêter. Là, je ne suis pas riche. Et bien, un peu de temps après, je suis riche dans la prison. Je suis dans la prison. Parce que c'est un vieux riche qui fait que. Il y a tout un blanc. Un blanc qui t'a aidé à administrer un bagage, faire du bien. Mais quand il n'y a tellement pas de bon, il y a tout y est. Donc, l'un qui n'est pas bon, eh bien, c'est ça qui va arriver. Ou pas, je me satisfais. Et des fois, qui n'est pas bon, pas satisfait. Eh bien, la vie va finir mal. Maintenant, une question à poser, ou que c'est. Qui attitude ou à l'égard de moun qui font du bien, moun qui compte pour du bien? Qui attitude ou à l'égard de yon maman qui occupe ou qui prend soin ou yon papa qui leve ou qui prend soin ou? Y'a des fois, j'en ai pas avec maman, puis mal à son coterie. J'en ai pas avec papa, puis mal passé c'était Marie nous le teye. J'en ai grossier, j'en ai mal élevé. Je nous sens reconnaissance. Je la vie à dur. Quand on t'a passé misère avant. Et les c'est gado ou autre hier. Ou pas même calculer quand tu manger ou manger. Ou pas calculer quand tu radou chiré. Ou pas calculer quand tu zori ou chiré. Ou pas calculer quand tu radou te pisser sous yo. Ou pas calculer qui quand tu mal propre ou monde ça te nettoyer. Et puis qu'on y a depuis on parle avec vous après ça on monte ou monter l'angle ou. Vous avez des bicarbonates que nous ne pouvons pas chercher. Regardez qui est souillé, regardez pour comment la vie va finir mal. Parce que n'importe qui n'est pas reconnaissant, qui agit mal envers un bienfaiteur, va finir mal. Parce que c'est bon Dieu qui inspire le bienfaiteur pour faire du bien à vous-même. Yes. Naomi, c'est pas tellement maman, non, mais une belle-mère. Mais songez bonjour. Il songeait que belle-mère était avec elle. Il songeait que il prend engagement avec belle-mère. Et il campe avec belle-mère jusqu'à la fin pour être capable de supporter pour le travail pour le prendre sur belle-mère. Golé, c'est des mamans ou papa qui t'a travaillé, qui t'a supporté. Mais une belle-mère, un bon père. Mais je dis, c'est pour que bon sens ou même pour capable de travailler, pour capable d'aider tout. Pour reconnaissant. Envers monde qui a fait du bien. Fort reconnaissant. Maintenant, encourager les gens qui ont fait du travail.
et puis les bâtiments de vous, il faut ouvrir là. Quand vous venez dedans, vous voulez mettre dehors. À la moune ça, on papa. Quand vous mettez, vous battez, vous mettez dehors, vous tenez pour le poulet, laissez ça ouvrir, vous voulez zéro. Zéro que vous cassez, frère. Zéro que vous cassez dans les semaines. Aïe, ça c'est mauvais zèle lié. Est-ce que avec mon nom, c'est quand ça bon seulement? Quand on joue un avantage, quand on joue un jus pour bré. Mais quand ça commence pas bon, est-ce qu'on lague mon nom? Est-ce qu'on sort pas qui vient dans la route qui a tourné? Derrière, ou a tourné? Parce qu'on n'a pas espoir encore? Ou bien est-ce qu'on sort route qui a quitté là jusqu'à la fin? Ah, grand pile leçon, oui. En pile leçon, matin. Eh bien, à cause de l'attitude de Ruth, à cause de ce qui est dans mauvais temps, accompagner Naomi pour le retourner, prendre soin de Naomi, occuper le Naomi, eh bien, Ruth te joint des bénéfices. Ruth te joint des bénéfices. Il y a un bénéfice des jeunes, c'est autorisation pour glaner dans le jardin Boaz. Il y a une autorisation pour nous être là, pour nous parler de quel côté. Il y a une autorisation pour jouer de l'eau pour le bret, pour manger avec tout travailleur Boaz. Il y a une louange que Boaz a fait pour lui, à parler de comment moi apprendre ou te bien comporter. Là où bien comporter, même si moi ne pas comprendre, ou mettre continuer bien comporter, oui. Allez, c'est pas moi jeter dans de l'eau, mais moi trouver avec le temps après trouver lui. Bon poisson que tu manges pain, en vérité, même si c'est pas au Québec, on a Québec les potes là-bas, ou bien on achète. Bénédiction à prononcer sur lui à cause de comportement. En plus, oui, tout va en refuge. Les trouver en faveur. Et là, il a parlé, ou t'as parlé même. Les jours consacrés, les trouver en faveur que l'y pas mérité. Dans verset 13, elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Oui, trouver la consolation. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi, comme l'une de tes servantes. Je ne suis pas une servante, je ne suis pas une qui t'a servi, je ne suis pas une qui t'a travaillé pour vous, et puis je trouve grâce, je trouve faveur ça. Et bien, grâce et faveur que vous trouvez, et bien, ce n'est pas bon à y te servir, mais parce qu'il t'a servi au l'autre monde. Il t'a servi au l'autre monde, et nouvelle l'a répondu. Nouvelle l'a couru tout partout. Je dis à. On nous continue à servir l'autre monde. On nous continue à aider l'autre monde. On nous continue à faire ça d'affaire. On nous pas fait pour intérêt personnel. Mais on nous fait parce que la parole de Dieu m'a dit ça. En vérité, on a récompensé. Et à cause de ça, Ruth Connier joue une autorisation pour rester glané seulement dans le jardin Boaz. Certainement, c'était un grand côté, côté qu'un pile monde de gain jardin tout autour. Mais bon Dieu t'a guidé, Ruth. Là, là, il n'y a pas de contrôle de la parole. Pour la laisser dans deux jardins Boaz là. Bon Dieu a guidé, mon Dieu était sincère, mon Dieu loyal, mon Dieu fidèle. La main de Dieu avec. Bon Dieu a guidé pour capable fort à réussir. Eh bien, là, il est directement dans le jardin Boaz. Et là, là, il est dans le jardin Boaz là. Bon caractère que Ruth gagne. Attendez ça, bien, vous captez que vous gagnez et ça aide pour le river quand il besoin de river. Quel monde qui connaît richesse dans la paresse, vous faites ça? C'est dans le vol, c'est dans la jalousie. Dans le monde jalousie pour ça, le gagne. Dans la combinaison pour capable gagner. Non, chemin combinaison va passer. Hein? Eh bien, ou pas riche pour longtemps, ou pas gagner pour longtemps, ça va passer au prix de 3 centimes. Là, vous gaspillez. Mais oui, il y a une qualité. La parole de Dieu dit, premier verset comme de l'IA, c'est que travailleur témoigne pour Ruth. Je dis depuis matin, il vient là, il campe sous pied. Il va jamais reposer. Il va jamais rentrer dans la maison pour reposer. L'homme travaille. Elle était laborieuse.
ça l'a fait, c'est Il y a plein de monde qui croit que yon foi, yon vit dans Jésus, et bien yon calonge, mais prend sans travail. Et pas qu'on s'allie. Ou vini, et bien vous venez avec attitude, vous capable et bailler rendement, faire son affaire, et son affaire, c'est le cap témoignage pour vous. Vous venez chercher seulement, mais vous venez pour capable bailler, pour mettre courage. Et bien témoignage ça, te fait Boaz prouver que ça t'a pris de Ruth, c'est vérité. Ça, son femme laborieuse, son femme spéciale. Si il va venir, il va venir sous jouette, il va venir sous dangrien, il vient travailler. Boaz dit Ruth, pas l'autre côté d'un dé, rete dans le champ ça, rete côté maintenant. Donc, vous pouvez glaner seulement dans le champ de Boaz. Nous-mêmes aussi, nous ne devons pas promener les regards tout partout. Là, nous venons dans bon Dieu. Eh bien, faut nous venir avec toute détermination, toute décision. Nous venons dans bon Dieu, avec tout nous-mêmes. Et nous ne devons pas voyager tout partout. Et nous devons garder nos seules directions. Nous ne devons pas promener les regards. Non pas nous abandonner la promesse de la provision et la protection que bon Dieu est pour nous. On ne pas faire comme Opa qui est perdu dans l'histoire. Dernière fois nous avons rencontré Opa, c'est elle qui était belle-mère, elle tournait. Après ça, Moab, l'histoire de Opa, ça a fini. Non, Opa a fini. Mais l'histoire de Ruth continue encore aujourd'hui. L'histoire de Ruth continue jusqu'à ce que Ruth devienne devenir un grand-parent pour Jésus. Nos grands-parents pour Jésus. Matin, frère Max Semouen. Non, en pile, on a célébré. On a célébré. Fleur Savlé dit rien. Est-ce que vous êtes vraiment loyal? Est-ce que vous êtes vraiment reconnaissant? Est-ce que vous êtes vraiment contre le monde qui vaut du bien? Est-ce que vous êtes contre le monde qui vaut du bien? Si vous êtes contre le monde qui vaut du bien, si vous êtes loyal, eh bien, on va toujours jouer du bien. Mais si vous êtes hypocrite, si vous êtes traître, eh bien, on va finir mal. On va perdre dans l'histoire. On va connaître non encore. Des souffrances. Peut-être que ça te prend avec vous. Il y a quelqu'un qui m'a regardé, quelques personnages. Je connais une petite qui a fait des lettres ou partout. Et vous avez un grand coup tout le monde. Mais j'ai tout le monde. Je n'ai pas de personnalité. Mais mes amis, soyons reconnaissants. Nous besoin reconnaissant vers mon Dieu. Reconnaissant vers mon Dieu. Parce que c'est nous là, c'est lui qui permet nous là. C'est nous vivre, c'est lui qui permet nous vivre. Sans basel, il y a un réfugié. Tant que c'est pour le mouiller quand on basel, maman. C'est lui qui a chauffé nous. Après ça, mon visage a porté nous aller. Mauvais hommes, t'as porté nous aller. Les amis hypocrites, t'as porté nous aller. Mauvais femmes, t'as parlé avec nous. Ils t'as parlé avec nous par combinaison. Mais le Seigneur qui aime nous. Pour nous qu'on garde ou dans le cœur, il n'y a pas de joie, mais il y a la haine dans le cœur. Il y a des bagages où t'as des mounes, dis-moi, nous n'avons pas de reconnaître, nous n'avons pas de mal. Alors, gardez où est-ce que nous t'as là. Si le coup de Dieu te conduit, nous n'avons pas où t'as là encore. En bas, chaque coup de Dieu, t'as pour, t'as fini. Mais l'Éternel protège vous. Pendant un coup de coup de Dieu, l'Éternel m'a gossé. Pendant un parle au mal, l'Éternel passe avec vous. Bien. Mes amis, en nous reconnaissant envers l'Éternel. Vous avez souffert de vie, vous avez respiré, vous ne savez pas comment le faire là. Vous avez mangé chaque jour. En vérité, ce n'est pas l'effort qu'il faut manger. Mais c'est l'Éternel qui permet de manger. Ou on a dit que vous vivez toujours, on a demandé comment vous faites là. Est-ce que c'est vous qui vous permettez là?
quand on t'y fie, on t'y fait mal, on t'y fait mal, on t'y rime, on t'y monte déjà, allez déjà. Mais l'Éternel secourt. Merci Seigneur. Donc, on doit être glané dans la terre de l'Éternel. On doit être cherché dans le jardin de l'Éternel. Parce que l'Éternel est coin pour nous. L'Éternel est rassure pour nous. L'Éternel est protection pour nous. L'Éternel est sécurité pour nous. Oh, Boaz, comme on a un type de Jésus-Christ, il est vrai. Eh bien, les offrir une temps de sécurité, protection. Il dit, pas l'accès vite, mais on ne peut pas toucher. La main de diable, oui. Pas l'accès vite, mais on ne peut pas toucher. Donc, devant Boaz, donc, oui, on ne peut pas toucher. Avec qu'on s'ennuie devant Dieu l'Éternel. L'Éternel a gardé nous. Amen. Il va méchant l'autre, il ne peut pas toucher nous. Il ne peut pas faire nous rien. En nous reconnaissant, non. En nous reconnaissant, nous ne pouvons pas comprendre Jésus. Prends Jésus, ma terre, non. En vérité, même vous ne pouvez pas croire Jésus t'a protégé vous. Parce que vous sous terre, Israël. L'a protégé vous. Et vous-même qui êtes converti déjà. Qui quittez. Lorsque vous convertissez, vous quittez nous. On a fini dans l'histoire, on a fini mal. Tournez, je viens de Jésus donner. Persévérer. Tant que vous êtes. Et en résultat, vous êtes qui ça, vous êtes devenu. Vous êtes citoyenne, vous êtes devenu. Et l'on persévéré à travers les difficultés, sans intérêt. On dit, traverse avant, on traverse les difficultés avec vous. Ou à regarder où est, ou en l'air. Yes. La pleuver. Que bon Dieu capable de bénir au matin. Restez collé dans mon Dieu. Reconnaissant envers mon qui est bon côté. Reconnaissant envers mon qui est grand basso. Reconnaissant envers mon qui font du bien. Reconnaissant. Et reconnaissant envers Dieu. Et ou à un programme de la carrière. Que bon Dieu capable de bénir au matin. Amen. Amen. Jésus fait place,
dis ça. Grâce au pardon, grâce. Oui, chante gloire. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Oh, nous mérons.